Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter Access. Maintenant, c'est quoi Access? Access, c'est un des outils de Microsoft du paquet Office qui va vous permettre de pouvoir gérer vos données de manière beaucoup plus explicite en utilisant ici les bases de données. Voilà, sans plus tarder, je vais lancer l'application Access. Il est là. Voilà, j'avais des bases de données, je vais tout supprimer. Comme ça, on va démarrer quelque chose de un peu plus. Bon, ben je laisse comme ça. Je vais créer la base de données. Maintenant, moi, je vais créer une base de données que je vais nommer commerce, par exemple. Voilà. Maintenant, c'est ça ma base de données. À présent, j'ai créé ma base de données. Il va falloir que je crée mes tables. Maintenant, pour créer une table, c'est pas compliqué. Déjà, il y a une table qui est là déjà créée. Il faut juste que je saisis des informations sur la base de données. Et pour ça, je vais cliquer au niveau de l'onglet qui est là, affichage qui est là. Je le clique, puis je vais basculer au niveau de mode création. Ou bien vous passez par là. C'est en bas, il y a la fonction mode création qui est là. Je peux cliquer sur l'un ou l'autre. Là, il me demande le nom de la table. Je vais le nommer client. Voilà, puis je valide. Voilà, à présent, j'ai créé ma table client. Il va falloir que je donne les attributs. Par exemple, là, comme attribut, je vais nommer matricule client. Par exemple, il est en numéro auto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce champ-là ne sera pas saisi par l'utilisateur. C'est automatiquement, c'est des valeurs qu'il va générer automatiquement. Et vu qu'il est sous forme de clé primaire, ça veut dire que ces valeurs-là ne seront pas dupliquées. En plus de ça, il y aura le nom. Le nom sera sous format texte, mais vu qu'un nom ne peut pas prendre 20 caractères, par exemple, rien que d'écrire nom comme ça, il est composé de 3 caractères. Maintenant, imaginons un nom normalement, bon, je vais donner 15. Je suppose qu'un nom ne peut pas dépasser 15 caractères. Maintenant, je veux que aussi les noms, même si on les, quand on les saisit, même si on les écrit en minuscule, les convertit en majuscule. Donc pour ça, au niveau de format, vous allez juste ajouter le symbole supérieur. Voilà, maintenant pour le prénom, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dire aussi il est composé de 15 caractères, mais ici Je vais faire en sorte que le premier caractère du nom soit en majuscule et le reste en minuscule. Et pour ça, au niveau de masque cette fois-ci, masque de saisie, vous allez faire supérieur, point d'interrogation inférieur. Maintenant, là, vu qu'on a sélectionné, on a défini. Maintenant, vu qu'on a 15 caractères, le premier caractère est représenté par le point d'interrogation. Maintenant, les autres lettres. Il en reste, si par exemple il y a 15 lettres en tout, j'enlève une lettre là, ça me restera 14. Donc on va faire 14 points d'interrogation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, maintenant c'est bon. Après ça, je vais faire la date de naissance. Voilà. Maintenant, date de naissance et de type date. Voilà. Maintenant, le format, il va falloir qu'on le change pour prendre le format habituel qui est le jour, le mois et l'année. Voilà. Maintenant, le format utilisé pour valider le format, pour le sécuriser, il est sous format jour, mois et année. Voilà. Après ça, il y a contact. Voilà. Qui est sous forme de numéro. Moi, je suis au Sénégal, donc je vais supposer un numéro ne peut pas dépasser 9 caractères. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9 caractères. Ensuite, il y a ville et région. Voilà, maintenant là, pour ces deux, je vais prendre juste 20 caractères. Et chaque caractère ne peut pas dépasser 20 caractères. Maintenant, il doit être écrit en majuscule. Aussi suivant, même si on l'écrit en minuscule, il va le convertir en majuscule.
Voilà, c'est bon pour la table client. Je vais créer une autre table. Et pour créer une table, là, c'est parce qu'il avait déjà créé ça. C'est une table pré-créée. Donc, pour réellement créer une table, vous allez vous rendre au niveau de créer, ici. Puis, c'est création de table, ici. Là ou là, les deux, c'est du pareil au même. Hein. Voilà, maintenant là. Sauf que là, tu enregistres d'abord les données avant de pouvoir sauvegarder. Par exemple, là, si je viens pour sauvegarder, même si je donne le nom de la table, par exemple, commande, il nous dit qu'il n'y a pas de données. Par contre, si c'est le deuxième qui est là, le premier, autant pour moi, je suis en mesure de pouvoir sauvegarder directement là, la commande, avant même de donner les attributs de la table. Vous voyez? Maintenant, à présent, je crée la table commande, je peux changer de mode et se rendre au niveau de mode de création, là directement. Là, je vais donner numéro commande. Numéro commande. Numéro, voilà, commande. Voilà. Maintenant, s'il n'est pas, si la clé primaire, même au niveau du premier, si la clé primaire n'est pas activée, il faut l'activer. La clé primaire, c'est quoi? C'est l'élément qui permet d'identifier une personne dans une table de manière unique. Voilà. Par exemple, ce numéro, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on ne pourra pas avoir un même numéro sur ce champ-là. Voilà. Après ça, on va donner l'étudiant, la clé étudiant qui était là. La clé étudiant. Là, c'est matricule client. Je vais aller ici faire matricule client est de type numéro. C'est important parce qu'il était il était en mode numéro auto. Maintenant, il doit être en mode numérique pour pouvoir par la suite faire le lien entre les deux tables. Parce que les deux tables, après, on doit les relier. Voilà. Ensuite, il y a le montant. Le montant et la date. La date comment? Voilà. Même ici, on va formater un peu. Maintenant, pour montant, on va le mettre sous forme numérique. Mais vu que moi, je travaille avec le CFA, bon, je vais diminuer, faire ça entier. Vu que je travaille avec le CFA, donc je vais faire 0, entrecôte, espace CFA. Voilà. Comme ça, l'unité, la devise sera en CFA. Voilà, parce qu'en général, il reconnaît que les euros. Voilà, maintenant, pour pouvoir travailler avec les CFA ou bien des autres mesures, il va falloir formater le champ. Ensuite, date. Date, c'est comme l'autre, mais sauf que cette fois-ci, par exemple, il est de type date déjà. Voilà, maintenant, on va prendre le format qu'on avait tout à l'heure. Maintenant, ici, ce qui va changer, c'est quoi? C'est que la valeur par défaut, on va changer ça et mettre, par exemple, date. Comme ça, dès que vous saisissez une commande, il va récupérer la date du jour. Voilà, sans problème. Il va automatiquement récupérer la date du jour et remplir. Voilà, maintenant, une fois ceci rempli, on va enregistrer les deux champs. On enregistre, c'est bon? Maintenant, après l'enregistrement, je peux fermer ces deux fenêtres-là et aller au niveau de outils de base de données. Puis sur relation. Je vais sélectionner les deux tables. Vous appuyez sur ajouter ou bien vous ajoutez une table par table. Voilà, ça aussi ça peut se faire. Comme vous pouvez sélectionner les deux tables comme ça et l'ajouter d'un coup. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui lie les deux tables? Les deux tables sont liées par matricule client qui est là A et matricule client qui se trouve au niveau de commande. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appuyer sur le clic gauche, vous le maintenez, puis vous le déposez vers matricule client et vous laissez. Maintenant, là, vous allez voir que client, il y a matricule client et commande, il y a matricule client. Donc, c'est bien. Là, vous allez l'appliquer. Pourquoi? Parce que ça permettra de valider que les commandes dont les clients existent déjà. Par exemple, quand un client n'existe pas, vous ne pouvez pas créer une commande pour ce client-là. Voilà. Et là, mettre à jour cascade, effacer cascade,
Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, si vous avez un client, vous voulez supprimer les données du client, il va supprimer non seulement le client, mais toutes les données qui étaient liées au client. C'est-à-dire, s'il avait fait des commandes, même les commandes de ce client-là seront directement supprimées. Là, je vais faire créer. Voilà, automatiquement, il y a le lien qui est créé à ce niveau-là. Voilà, maintenant, c'est ça qu'on appelle relation entre les tables. On va aller insérer des données au niveau de nos tables. Enregistrer, oui, j'ai oublié d'enregistrer, mais heureusement qu'ils m'ont l'a demandé. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais aller ajouter quelques clients, vite fait. Disons bas, je l'ai écrit en majuscule, mais il le convertit en minuscule, en majuscule directement. Maintenant, Moussa, date de naissance 12-11-2000. Le numéro de téléphone, je vais juste donner des valeurs. Ah, là, vous allez voir que là où j'ai mis, les valeurs ne sont pas exactes. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais aller au niveau de contact. Il n'est pas au niveau de format, mais plutôt au niveau de masque de saisie. Voilà, je sauvegarde et je vais revenir à ce niveau. Voilà. Normalement, c'est OK maintenant. Maintenant, pour la ville, je vais dire ville d'Hambourg. Voilà. Ensuite, région de Thiès. Là, je vais faire Gueye Fatou. 10 01 1999. Le numéro de téléphone 70. Tac, tac, tac. OK. Et là, Anne Bel Air, c'est au niveau de Dakar. Ensuite, Gaï, c'est Gaï. Voilà, Kumba. Le numéro 77. Voilà. Maintenant, vous allez voir que je ne peux pas aussi dépasser les 9 caractères parce que je l'ai déjà défini hein, au niveau du masque. Voilà. Maintenant, Pikine, ville de région de Dakar. Ensuite, voilà. Voilà. Je pense que c'est OK. C'est bon pour le moment. Vous allez voir que ils n'ont pas de commande, il n'y a rien. Maintenant, on va aller commander pour les clients. Maintenant, pour ça, je vais aller au niveau de commande. Maintenant, le client 1, disons, il a commandé une somme de 1500. Le client 1 aussi a toujours commandé et il a commandé une somme de 1200. Le client 1 recommande une valeur de 2000 francs. Le client 2 va commander une somme de 30 000. Et vous allez remarquer que la date est automatiquement récupérée. Hein. Le client 2 aussi a commandé une somme de 15 000 ou bien 5 000 même. Voilà. Maintenant, le client 3 a commandé une somme de 14 000. Voilà. Et le client 1 a commandé à nouveau une somme de 1300. 13 000, autant pour moi. Voilà. Maintenant, là, on a des valeurs. Donc, les clients, il y a certains qui ont commandé, mais il y a un autre qui n'a pas commandé. Après, vous allez voir le pourquoi je l'ai fait comme ça. Maintenant, supposons, vous oubliez, par exemple,
une colonne ici, par exemple civilité. Pour le faire, vous allez juste venir là, cliquer sur ajouter, insérer des lignes. Là, je vais insérer la ligne civilité. Civilité. Et là, civilité, on va créer une liste pour que l'utilisateur puisse sélectionner homme, monsieur ou madame. Maintenant là, dès que vous cliquez sur, je vais revenir ici, dès que vous cliquez sur assistant liste de choix, automatiquement vous aurez deux options. Une option qui va aller puiser des informations dans une table déjà existante. Maintenant, celui-là, c'est à vous de donner les informations. Pour celui-là, je vais revenir sur notre deuxième cas d'utilisation. Je vais cocher, je tape les valeurs souhaitées, c'est-à-dire là, c'est à moi de saisir les valeurs que je veux afficher au niveau de notre liste. Voilà, maintenant je fais suivant. Je vais le nommer civilité. Voilà, maintenant limiter à la liste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un saisit d'autres valeurs non définies qui n'est pas dans le contenu, c'est-à-dire différent de monsieur ou madame dans notre cas, automatiquement la réponse ne sera pas valide. Et là, c'est important. Là, vous le cochez que quand vous avez la possibilité de choisir plusieurs réponses. Et là, malheureusement pour notre cas, c'est pas le cas parce que une personne ne peut pas être en même temps un monsieur ou bien une madame. Voilà. Donc, je vais cliquer sur terminer. Maintenant, une fois à ce niveau, vous allez cliquer sur liste de choix et au niveau de contenu, on va ajouter M qui va représenter monsieur, entrecôte bien sûr, ensuite point virgule, entrecôte à nouveau, M, madame, et fermer les entrecôtes. Je sauvegarde et je vais revenir au niveau du champ de saisie et automatiquement là, je vais avoir Moussa Bassé, monsieur, Fatou, madame, et monsieur à ce niveau. Voilà. Maintenant là, je pense que tout est ok. C'est au cas où si vous avez oublié vos commandes. Une commande, vous avez oublié une colonne. Voilà, ça peut être pratique dans certaines situations quand même. Maintenant, on va essayer de faire les requêtes. Les requêtes, c'est quoi? Par exemple, si on veut afficher, par exemple, ceux qui ont déjà commandé dans la boutique. Maintenant, pour les requêtes, on va venir au niveau de créer une requête, créer. Puis, il y a deux modes. Là, on va avoir un assistant pour pouvoir créer une requête. Et là, c'est à vous de créer une requête de manière autonome. On va voir les deux quand même. Prenons le premier exemple. Là, je vais prendre le premier. C'est pour afficher l'ensemble des clients qui ont commandé. Et de passage, on va voir aussi, on va ajouter deux colonnes. Le premier qui va nous permettre de faire la somme des commandes effectuées par le client et le nombre de fois qu'il a commandé dans notre boutique. Là, je vais faire OK. Là, j'ai besoin de toutes les informations du client. Ensuite, là, je vais prendre je vais prendre le numéro de commande, le montant et la date commande. Je fais suivant. Une fois à ce niveau, vous allez sélectionner synthèse, option synthèse. Ensuite, maintenant, option synthèse et synthèse, ça permet de faire quoi? Ça permet de pouvoir faire la somme si ça nous intéresse, la moyenne, le minimum et la valeur max de la commande. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est qu'il nous fasse la somme de toutes les commandes effectuées par un client. Ensuite, de pouvoir nous compter le nombre de fois qu'un client a fait une commande. On fait OK et on clique sur suivant. Maintenant, vous allez faire, vous allez indiquer la période de votre analyse. Nous, on va le faire par rapport à la date. On est d'accord. Vous pouvez le faire en trimestre, annuel, mensuel, journalier. Vous faites suivant. Maintenant, je peux ouvrir. Bon, la requête, je vais le nommer. Requête
Disons, commande client. Voilà, requête commande client. Je valide. Automatiquement, vous allez voir, normalement au début, regardez ici, je vais comparer. On a 4 clients. Mais au niveau de la requête, vous allez voir qu'il y a juste 3 clients qui ont pu effectuer. Une commande et la somme pour chaque client il est là. Moussa a commandé 29 000 francs, voilà, dans notre boutique et il a commandé 3 fois. Vous voyez comment combien c'est intéressant. Voilà, maintenant on peut créer une autre requête pour afficher les clients qui n'ont jamais commandé. Je vais ajouter un autre client. Par exemple, on va dire Monsieur Saho Ousmane. Je vais dire qu'il habite à Médine, mais c'est le Médine 2. C'est juste quelque chose que j'ai créé. Voilà. Je pense que tout est OK, tout est en ordre. Je vais aller créer la requête. Maintenant, cette fois-ci, vu que c'est les clients qui n'ont jamais commandé que je veux afficher, c'est la no correspondance que je vais sélectionner pour vérifier, par exemple, sur les deux, qu'est-ce qui ne correspond pas. Parce que s'il n'y a aucun lien entre les clients sur l'autre tableau, commande, ça veut dire qu'il n'a jamais effectué de mouvement là-bas. Ça veut dire ça, il n'a jamais commandé. Je fais suivant. Maintenant, c'est sur quelle commande, sur quelle table on veut vérifier. C'est au niveau de la table commande. Suivant. Maintenant, les informations là, matricule client, et c'est l'équivalent, c'est la clé étrangère au niveau de la table commande. C'est exact. Donc, je fais suivant. Heureusement, il le récupère automatiquement. Maintenant, là, quelles sont les informations du client que je veux avoir? Je veux avoir les informations, toutes les informations du client. Je vais faire ça. Maintenant, le symbole supérieur, tout simplement, permet juste de récupérer élément par élément. Maintenant, les doubles cotes, ça permet de récupérer tout d'un coup. Voilà, maintenant là, je peux renommer la requête en client jamais commandé. Client jamais commandé. Je clique sur terminer. Voilà. Maintenant là, je viens de faire une requête pour les clients qui n'ont jamais commandé. Et dans notre cas, c'est les deux clients, Sao et Sao. Voilà. Maintenant, ça, c'est les commandes les commandes avec assistant. Avec une assistante bien définie qui est là. Maintenant, on va créer nos propres requêtes. Et pour ça, toujours au niveau de l'onglet créer, on va se rendre au niveau de création de requête. Voilà, maintenant on va ajouter les deux. Voilà. Là, je vais faire une mise à jour au niveau du montant. Maintenant, avant de le faire, je vais dupliquer la table client et commande pour les sauvegarder, parce que réellement je veux pas effectuer de mise à jour de réduction. Maintenant ici, ce que je veux, c'est quoi? Ça fait une réduction de 5% pour tous les clients qui ont commandé
une somme présente supérieure, disons, à 10 000. À 10 000, c'est trop. On va faire, si je fais 13 000, oui, disons 12 000. Voilà. Tous ceux qui ont commandé une somme supérieure à 12 000 verront leur produit commandé, la somme diminuée de quelques, voilà, de quelques valeurs, quoi. C'est juste un exemple. Voilà, je vais sélectionner le contenu, glisser le déposer là. Ensuite, le contenu de montant aussi. Et comment dire, de la commande, je le sélectionne et je le dépose à ce niveau-là. Là, à présent, j'ai les deux colonnes qui sont là. Ensuite, vu que c'est une mise à jour que je vais effectuer, je vais me rendre au niveau de consommation de requête, puis sur mise à jour ici. Voilà, maintenant au niveau de montant déjà je vais le chercher. Voilà, montant il est là. Je vais effectuer une mise à jour du montant. Je vais faire une réduction de 10, de 5%. Et pour ça, je vais faire un clic droit sur le champ là, sur le champ mise à jour correspondant au montant. Je vais cliquer sur créer. Maintenant, le nom de la base de données ici, on l'avait nommé commerce. Je clique sur le bouton plus. Sur la table, le bouton plus. Maintenant, commande, je double-clique. Pour avoir maintenant le montant, je double-clique pour récupérer le montant. Maintenant, réduction, ce sera parenthèse moins montant multiplié par 0,05. Je ferme la parenthèse. J'ouvre d'abord la parenthèse ici. Je le ferme là et je le ferme pour le dernier. Voilà, c'est-à-dire il va prendre la somme totale, il va multiplier le montant qu'on a là, multiplié par 0,50. Maintenant, c'est le résultat ici qu'on va soustraire à notre somme initialement définie. Je fais OK. Maintenant, quand est-ce qu'on doit effectuer cette opération-là? C'est quand la somme est supérieure à, j'ai dit tout à l'heure, 12 000, si je ne me trompe pas. Donc, s'il est supérieur à 12 000, on va effectuer une réduction. Voilà. Maintenant, je vais sauvegarder la requête mise à jour. Par exemple, je vais l'appeler requête mise à jour. Je valide. Voilà. À présent, j'ai fini avec la requête. Maintenant, en guise de comparaison, bon, je l'exécute d'abord. Pour l'exécuter, il faut juste cliquer, exécuter la requête. Trois lignes seront modifié, c'est normal parce que c'est celui-là et juste celui-là qui verront leur valeur modifiée. C'est bon parce que j'ai dit 13, 12 000. Donc c'est celui-là, celui-là et celui-là. Je valide. Maintenant, là, c'est bon, regardez ici. La somme maintenant à payer pour celui-là. Au lieu de, je vais mettre côte à côte les deux valeurs. Au début, il paye 15 000. Maintenant, après la réduction, il paye 14 250. De même que les autres, voilà. De même que celui-là, la commande 6. Maintenant, il paye 13 000, extra, extra. Voilà, ça, c'est quand il s'agit d'une réduction. Maintenant, on peut faire aussi une requête pour pouvoir supprimer les clients qui n'ont jamais commandé. Et pour ça, je vais venir au niveau de création, créer requête. Je vais sélectionner juste la table client. C'est bon. Là, je vais sélectionner l'ensemble des clients. Voilà. Et je vais cliquer, commander l'ensemble des attributs du client. Puis, je vais cliquer sur suppression. Maintenant, on va supprimer quand est-ce. Disons, on va supprimer. Bon, on va pas supprimer parce qu'on a déjà. Je veux pas supprimer ça, mais je veux supprimer ceux qui habitent, par exemple, à Hambourg. Et pour ça, au niveau de caractère, je vais faire comme entrecôte et je vais faire Hambourg. Voilà.
Maintenant, c'est OK. Je vais enregistrer la commande en requête suppression. Mais sauf que il y a cette commande-là et cette client-là est vraiment importante. Je vais prendre celui-là, celui qui habite à Médine. Comme ça, vous voyez que lui n'a jamais effectué de. Voilà. Comme ça, on va juste supprimer le dernier utilisateur qu'on avait, le dernier client qu'on avait enregistré. Maintenant, j'enregistre la commande. Voilà, je peux venir ici comme exécuter à partir de là, ou bien fermer et exécuter à partir de là. Maintenant, si j'exécute, voilà, si j'exécute, j'aurai cette fenêtre-là. Je fais oui, il y aura juste une ligne qui sera supprimée. Oui, c'est bon. Et là, là, il est, c'est où? C'est ici, voilà. Il est supprimé, ouais, voilà. Automatiquement supprimé, il n'y a plus ces informations. Voilà, maintenant c'est ça la première partie. On va aller attaquer avec trois tables et créer quelque chose de beaucoup plus complexe. J'ai créé trois tables. À présent, c'est pour faire la liaison entre maintenant trois tables. On a déjà vu avec deux tables. Maintenant, on a trois tables. La table client, n'est-ce pas, qui est composé ici. Je ne veux pas avoir pris des éléments, j'ai pris juste le nom et le prénom du client. Voilà, 20 caractères écrits en majuscule, 20 caractères dont le premier écrit en majuscule. Maintenant, cette fois-ci, au niveau de la table commande, on a deux clés étrangères. Il y a celui du produit, le nom du produit ici, parce qu'on a créé un produit. Le nom du produit, le numéro du produit d'abord, le nom du produit et le prix. Maintenant, au niveau de la commande, on aura le numéro de la commande, matricule du client, numéro de produit et la quantité de produit commandé. Voilà. Maintenant, on va essayer de mettre en valeur ces trois-là. Et automatiquement, on va pouvoir créer une requête qui va nous permettre de faire la liaison entre les trois commandes. Voilà. Maintenant, pour ça, déjà, je vais fermer, je vais enregistrer et fermer. Fermer, enregistrant, fermer. Je ferme, en même temps, j'enregistre, oui. Et pour finir, je ferme pour enregistrer. Je vais me rendre au niveau d'outils, je vais faire la relation entre mes trois tables. Voilà. Maintenant, matricule client est directement lié au client, matricule qui est là. Matricule client. Matricule client, voilà, il est là directement. Tout à l'heure, j'avais déjà expliqué ça, pas besoin d'y revenir. Maintenant, nom produit est lié au nom produit de la commande. Même chose, je vais cocher tout ça, créer. Voilà, maintenant la liaison est créée. Je vais enregistrer, CTRL S, puis fermer. À présent, je peux donner quelques noms, disons sauve. Moussa, n'est-ce pas? Fatou, Gay, Ousmane, Anne, Ibrahima, disons Jay. Cher, voilà, j'ai 5 clients. Maintenant, à présent, là, je vais donner des produits. Nos produits, par exemple, écran, ça coûte 1500. C'est juste, mais voilà, ou bien 15 000. Ensuite, clavier à 2000 francs. Souris à 1500, n'est-ce pas? Unité centrale
Là, 30 000 francs. Avec quoi? À 2 000 francs. 2 100 francs. Voilà, c'est bon. On a 5 produits. Là, le client 1 commande en quantité 2. Toujours le client 1 commande un produit 2 en quantité 3. Le client 1 toujours commande un produit 5 en quantité 5. Le client 3 qu'est-ce qu'on a dit là? Ah, ok. Je ferme ça. Ok. Ouais. Maintenant, je reprends ici. Le client 1 commande le produit 5. Exemple, 4 fois. Vous pouvez ajouter ou modifier un autre sur ma carte. Attends, est-ce que j'ai un cinquième produit? Ah oui, c'est que je ne l'ai pas validé. Voilà, c'est bon maintenant. Voilà, je ne l'avais pas validé. C'était ça le problème. Maintenant, le client 2 a commandé un produit 4, quantité 3. Le client 3 a commandé un produit 3 deux fois. Le client, disons 4, a commandé un produit 5 une fois. Le client 5 a commandé le produit 3, disons 5 fois. Voilà. Je pense que c'est OK. Là, on va essayer de créer une requête qui va nous permettre de pouvoir gérer les de pouvoir gérer de manière générale les commandes. Mais non, comme tout à l'heure, je vous avais promis de vous donner un exemple avec la liste, mais en utilisant une table existante. Je vais créer vite fait une table livreur. Je vais créer une table livreur ici. Une table livreur. Livreur. Voilà. Maintenant, ici, je vais faire ID livreur et le nom du livreur pour ne pas trop perdre de temps. Et nom du livreur, disons 20 caractères supérieurs pour qu'il l'écrit en majuscule. Voilà, je vais profiter de l'occasion pour enregistrer quelques livreurs. Ndom, K, Dia, n'est-ce pas? Djouf, Maïga. Voilà, c'est bon. J'ai créé 3 livreurs. Maintenant, au niveau de la commande, je vais aller modifier un champ pour pouvoir ajouter. Oui, j'ai pas effectué les changements nécessaires. Voilà, maintenant à ce niveau, je vais insérer une ligne que je vais appeler livreur, par exemple. Livreur. Maintenant, pour livreur, je vais sélectionner liste assistant. Maintenant, cette fois-ci, je vais prendre le premier. Voilà. Et on va utiliser la table livreur suivant. On n'a pas besoin de créer un lien.
Maintenant, là, c'est juste le nom par rapport au nom que je vais récupérer. Donc, je vais juste sélectionner le nom suivant. Maintenant, je veux l'ordre croissant des livres, des noms. Voilà. Et il y a même un exemple qu'on a là. Si c'était décroissant, on allait commencer par nom. Voilà. Maintenant, là, on va limiter les choix. On va commencer, c'est bon comme ça. Activité intégrale. Rien à dire ici. Et OK. Maintenant, enregistrer maintenant. Je peux venir ici, redistribuer les valeurs. Pour celui-là, on va dire le livre, c'est déjà. Là, c'est Diouf. Là, c'est K. Là, c'est Maïga qui va livrer. K va livrer encore. Et Diouf va livrer. Voilà, vous voyez, on a la liste des livreurs à ce niveau-là. Voilà, maintenant on va créer une requête qui va nous permettre de pouvoir créer, on va créer une requête pour calculer le montant. Voilà. Exemple là, je vais aller sur créer. C'est la commande qui est là qu'on va utiliser. Exemple, je vais sélectionner le client, le livreur, comme ça. Voilà, maintenant je vais fermer. Maintenant, c'est juste les informations de commande que j'ai besoin. Donc, je vais les sélectionner comme ça. Voilà, je les dépose là. Maintenant, pour calculer le montant, je vais écrire ici montant. Montant. Et montant est égal à. Je fais double-clic, créer. Vente. Table. Maintenant, au niveau de commande, je vais récupérer la quantité. Je vais supprimer l'expression. Ça, je vais le supprimer parce que j'en ai pas besoin. Multiplier par quoi? Multiplier par le prix qui se trouve au niveau de produit. Voilà, et je vais valider. Maintenant, si j'enregistre la requête, je vais faire commande, commande et montant. Commande, montant, comme ça. Voilà. Peut-être je peux afficher aussi le prix. Le prix aussi, peut-être je peux le faire là. Je vais le faire en dernière position. Voilà. Maintenant là, je vais le reprendre ici. Montant. Montant est égal à. Création client, ah, autant pour moi, commande, c'est le prix, j'enlève l'expression, multiplié par le prix. Voilà. Si je valide. J'enregistre, exécute. Et vous allez voir que déjà, comment dire, il a commandé, par exemple, ça. Bon, pourquoi pas afficher le nom du produit aussi. Je vais afficher le nom du produit pour que ça soit beaucoup plus explicite. Mode création, je vais venir là pour que ça soit beaucoup plus explicite. Exemple, là. Nom du produit. Voilà. Le nom du produit, je le mets avant produit. Ou bien je le mets là, c'est pas grave. Je l'insère juste là. Voilà, nom produit. Si j'enregistre et j'exécute, voilà le prix de l'écran. Voilà, etc. etc. On pouvait aussi ajouter le nom. Tout ce que vous voulez, vous pouvez l'ajouter au niveau de la commande et automatiquement vous aurez ce que vous voulez. Voilà, à chaque fois que vous voulez ajouter une information, vous faites mode de création et vous glissez l'information que vous voulez. Par exemple, si c'était le nom
n'est-ce pas, et le prénom du client. Là aussi, il y aura le nom et le prénom du client qui a commandé. Voilà, vous pouvez l'ordonner comme vous voulez par la suite aussi. Voilà. À présent, je pense qu'on est, on est bien à ce niveau. Maintenant, retournons sur notre première base de données commerce. Oui, je vais enregistrer les modifications. OK. J'active pour faire des... Voilà, je vais nettoyer tout ça. Je n'en ai pas besoin. Et on va attaquer les formulaires. Les données de date aussi. J'ai pas besoin de tout ça. Et là, les requêtes, tout ça, je vais supprimer. Je vais supprimer. Je vais supprimer. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais juste renommer celui-là en client. Voilà. De même que la commande. Voilà, c'est pourquoi je l'avais copié, parce que je voulais réutiliser ces informations-là. Maintenant, relation aussi, il faut mettre la relation entre les deux tables. Voilà, matricule client du client et matricule client de la commande. Voilà, je crée le lien entre les deux. Il y avait déjà des informations, c'est bon. Voilà. Maintenant, on va présélectionner client. Voilà, à ce niveau. Puis, se créer. On va cliquer sur formule A. Je n'ai pas présélectionné. Voilà. Je vais fermer ça. Maintenant, sur client, je vais cliquer sur formulaire. Maintenant, vous allez remarquer, il y a un formulaire qui est là, qui va nous permettre d'afficher, par exemple, si je fais mode affichage, là, il nous permet d'afficher les utilisateurs avec les commandes des utilisateurs. Voilà, un formulaire simple, mode de formulaire, voilà. Voilà, c'est mode formulaire, voilà. Maintenant, mode formulaire, vous allez voir que j'ai la possibilité de naviguer entre les clients et de pouvoir directement, si on le souhaite, de pouvoir, par exemple, modifier des informations. Supposons, si celui-là souhaite commander, on va donner juste le numéro de la commande et on va donner la somme commandée. Voilà, ça c'est beaucoup plus simple à mon avis. Voilà, là il a commandé. Il y en avait d'autres aussi qui n'ont pas commandé. On pouvait directement passer des commandes de ces derniers là à partir de là. Par exemple, il a commandé une valeur de 13 000. Voilà, je valide la commande. Voilà, à présent on va s'en rendre au niveau de format. On peut même ajouter un autre utilisateur, hein. Voilà, par exemple là, civilité, on va dire monsieur, par exemple, J, ou bien, disons, Cham. Ibrahim 12 03 2002, contact 76 tac 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 tac. Voilà, sur le au niveau de, disons, c'est Hambourg, région de Thiès. Maintenant, la commande directement, vous voyez comment c'est pratique. En même temps, vous pouvez, dès lors que vous ajoutez le client, vous pouvez passer sa commande. Disons, il a commandé une somme de, voilà, le, voilà. On a là aussi, 5 000 francs. Je valide la commande. Voilà, maintenant je vais me rendre au niveau de mode de création pour, travaille sur le design de l'application. Voilà, je vais faire ça. Puis je vais diminuer la taille. Disons comme ça va. Voilà, maintenant là, je vais l'élargir. Donc,
Pour pouvoir l'élargir, je vais cliquer sur, sur Organisation, supprimer la disposition, puis pouvoir élargir par la suite. Il n'y a plus de lien entre les deux. Voilà, si j'exécute, je vais voir le format que j'ai. Voilà, c'est bien ça. Je vais ajouter des boutons là pour pouvoir remplacer les boutons qui sont là pour se défiler de gauche à droite par rapport au client. Maintenant, pour ça, je vais me rendre au niveau de mode de création. Le premier bouton, ça va représenter le tout premier, par exemple. Le premier enregistrement, suivant. Maintenant, l'image, ça me va. Oui. Et je vais le nommer en dernier, ou bien le premier, voilà. C'est le premier. Premier enregistrement, quoi. Voilà. Ensuite, je vais créer un autre bouton qui va représenter le précédent. Voilà. L'icône, ça me va. Et je vais le nommer précédent. Voilà, c'est bon. Ensuite, le bouton suivant, je vais cliquer là. Pour le design, le positionnement des boutons, après on va gérer ça. Maintenant, le bouton suivant, voilà, l'icône me va. Maintenant, suivant. Et le dernier, c'est celui du dernier enregistrement effectué. Voilà, dernier. Voilà, c'est ça d'ailleurs. Maintenant, l'icône me va. Je vais le nommer dernier. Maintenant, terminé. Voilà, maintenant pour le moment, si je... Bon, je vais gérer d'abord l'alignement. Là, vous sélectionnez les trois boutons. Au niveau de l'organisation, vous faites alignement en haut. Là, ils sont alignés. L'espacement aussi, si vous voulez le gérer. Voilà. Ils sont alignés et bien espacés. Maintenant, si je compile, format. Si je fais suivant, voilà, c'est bon. Arrière, voilà, c'est vraiment bien. Le tout premier, le dernier, voilà. Ça fonctionne vraiment, vraiment bien. À présent, on va ajouter un bouton qui va nous permettre de rechercher, par exemple, un client. Je vais revenir au niveau en mode création. Je vais créer un bouton. Cette fois-ci, je n'aurai pas besoin de l'assistance. Je vais créer moi-même le code. Au niveau de tout, légende, je vais changer la légende. Et légende, recherche. Voilà. Recherche. Je peux diminuer la taille. Voilà. Je pense que c'est cool comme ça. Maintenant, au niveau de l'événement. Événement, voilà, on va créer un macro, générateur de macro. Ok, maintenant ici on va définir un filtre, définir filtre, on va le sélectionner. Maintenant le nom de la nom de notre filtre, on va rappeler recherche. Maintenant la condition, c'est quoi? C'est le nom, n'est-ce pas? Je pense que je l'avais nommé, non, le client, oui. Non, correspond à au nom qu'on va donner. Par exemple, disons, nom du client. Voilà. Maintenant, s'il donne le nom du client, automatiquement, on va afficher le nom du client recherché. Maintenant, je sauvegarde et je ferme ça. Voilà, maintenant, si j'exécute, j'enregistre aussi le là je vais dire formulaire. Voilà, il est là, formulaire. Maintenant si je fais recherche, là je le ferme.
Voilà. Attendez, y a quelque chose qui manque. Je vais voir c'est quoi. Événement. Macro. Ok. Ah, ok. J'ai pas sélectionné le bouton. Ouais. Maintenant, j'ai dit nom du filtre recherché. Là. Je pense que je me suis trompé. Je vais faire créer pour récupérer exactement la valeur. Au niveau de la table client, on va vérifier le nom. Voilà, c'est ça en fait, c'est cette expression-là. Maintenant, je le compare pour l'afficher. Je valide, j'enregistre, je ferme. Voilà, j'enregistre. Maintenant, si je recompile, n'est-ce pas, il y a bas. Je recherche bas. Ok. Automatiquement, il y a bas qui sera affiché. Et qui d'autre? Il y a Saho. Je recherche Saho. Recherche. Saho. Je valide. Automatiquement, il va m'afficher les informations de Saho. Voilà, ça pouvait être aussi des informations de par rapport à son nom ou bien par rapport au numéro ou bien à la ville. Voilà. À présent, là, si vous remarquez bien, je peux plus défiler de gauche à droite parce qu'il les a verrouillés. Maintenant, on va créer un bouton réinitialiser pour pouvoir réinitialiser les informations. Par exemple, je vais revenir au niveau de attendez. Voilà, c'est bon. Maintenant là, mode création. Je vais créer un bouton. J'annule. Les ânes. Je vais changer en réinitialisation. Voilà. Réinitialisation. Maintenant, au niveau de l'événement, clic, on va créer un macro. Voilà. Et ici, on va juste sélectionner supprimer filtre. Supprimer filtre tri. Voilà. J'enregistre et c'est bon. J'enregistre. Je compile. Là, normalement, je pouvais pas. Ouais, je pouvais pas. Maintenant, si je réinitialise, je ferme et je rouvre ça. Je recherche, par exemple, Saro. C'est bon, je l'ai recherché. Je peux pas me défiler vers les autres. Je réinitialise. Voilà, je peux. Je peux à présent me défiler à nouveau. Voilà, à présent on va attaquer les états. Maintenant pour créer l'état, il va falloir cliquer sur créer, l'onglet créer, puis sur assistant état. Là on va sélectionner les informations dont on a besoin au niveau de la table client. C'est le matricule, le nom et le prénom. Maintenant au niveau de la table commande, on a besoin du numéro, matricule client et le montant. L'effet suivant. Voilà, maintenant là, les informations du client seront juste en haut. Ensuite, les informations de la commande juste en bas. Voilà, maintenant, il sera, chaque facture sera identifiée par le matricule du client suivant. On va l'ordonner par rapport au numéro de commande. On va faire une petite synthèse pour pouvoir calculer la somme des commandes effectuées par un client présent.
Voilà, à présent, je vais faire suivant. Mode paysage pour avoir un affichage beaucoup plus large. Là, je vais l'appeler état. Voilà, j'ai pas pu le renommer. Bon, je vais le renommer et pour revenir sur ça. Je le renomme en état. Je l'ai validé involontairement. Voilà, maintenant je reclique pour afficher. Voilà, à présent on a Moussa qui a commandé le nom du le numéro de commande c'est 1, 2, 3. Le matricule du client c'est 1-1. Il a commandé ça et la somme commandée c'est 12 000. Maintenant je vais un peu modifier le design, éliminer certaines choses. Par exemple, montant, je pense on l'a deux fois. Je vérifie d'abord avant de faire des bêtises. Voilà, montant, je les somme ici et somme là. Je vais modifier. Voilà, maintenant somme, je les deux fois. Je vais le supprimer à ce niveau. Voilà, et là. Maintenant, je vais le déclarer, déplacer un peu. Voilà, ça c'est un design que vous-même pouvez faire. Hein. Voilà. Je vais changer la taille de la police. Disons format. Maintenant, je vais prendre la police, disons Arial, de taille 14. Je vais élargir un peu pour mettre, c'est juste pour mettre en valeur le résultat trouvé. De même que celui-là aussi, je vais mettre en Arial taille 14. Voilà. Maintenant, si j'affiche le résultat, on va voir ce qu'on a. Voilà. Ensuite, toutes les informations, synthèse, client, tout ça, on n'en a pas besoin. Donc, je vais aller supprimer ça. C'est ces informations-là. Je n'ai pas besoin de ces informations. Maintenant, je reclique. Voilà. À présent, il y a bas avec ces informations. Maintenant, ce que je vois, c'est quoi? C'est que les informations s'affichent sur des pages. Par exemple, Moussa aura une page entière pour ses commandes, etc. pour les autres. Je vais venir là. Voilà. Voilà, maintenant on va sélectionner en tête du groupe client matricule, client. Puis au niveau de saut de format, puis sur saut de page, vous allez cocher avant section. J'enregistre. Puis je vais faire aperçu avant impression. Voilà, maintenant les clients. On va avoir les informations de chaque client sur une page. Voilà. Ça, c'est pratique pour pouvoir. Par exemple, supposons si vous avez des. Si vous voulez les envoyer sous forme de facture. Voilà, là, par la suite, vous pouvez imprimer en cliquant juste là pour imprimer. Voilà. Maintenant, à présent, on va voir comment faire pour exporter notre base de données client là sous format Excel. Et pour ce faire, on va se donner rendez-vous au niveau de données Excel qui est là. Puis sur Excel, ici. Vous pouvez Excel sous format PDF, extrait, mais moi, je veux travailler sur Excel et voilà, le fichier sera exporté en Excel. Maintenant là, il sera enregistré au niveau du document. Et là, je vais le nommer, disons, client Excel. Voilà, comme ça. Et je vais ajouter fermer. Maintenant, si je me rends au niveau de mes documents, documents, voilà, il y a client Excel. Si je l'ouvre, voilà, c'est les informations qu'on avait ici qu'on va retrouver là-bas. Voilà, avec le format que vous pouvez travailler, il est là. Le format date, il est juste là, mais il va falloir qu'on change le format utilisé ici à ce niveau. Et le format
Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur, sur Excel. Voilà. Attendez, excusez-moi. Format date. Date, il est où? Je pense. Date cours. Voilà. Format date pour récupérer le format de. Pour récupérer la date. Voilà. Extra, extra. Maintenant, on va quitter de Excel aussi vers. Vers Access. Et pour ce faire, on va créer une base de données. Disons, on va l'appeler. Il y a deux manières. On va faire de manière simple, c'est-à-dire base de données que je vais appeler simple. Maintenant, ici, au niveau de documents ou bien bureau, on a un tableau simple qui est là. Le tableau, il n'y a rien de compliqué. Il commence par là. Il se termine par là. C'est-à-dire le commencement c'est A1. Donc il n'aura pas de problème pour pouvoir détecter les champs. Donc pour importer, on va se rendre au niveau de données externes, puis sur une nouvelle source Excel. Maintenant, à partir de là, on va parcourir les données. Il se trouve au niveau de bureau, tableau simple. Ouvrir. Ah ok, oui, je l'ai ouvert, je le ferme d'abord. Voilà, c'est bon. Maintenant là, on va importer. Là, il reconnaît les champs, oui, pour dire que le nom et le prénom de la ville et tout ça. Maintenant, suivant. Le nom, il est type texte, c'est bon. Le prénom, là, on va ajouter. Parce que notre table n'avait pas une clé primaire, donc on va créer une clé primaire pour notre table nommée client. Je fais suivant. Maintenant là, je vais l'appeler Vukapa table client. Puis sur terminer, ajouter. Et là, il sera là. Les informations sont bien importées. Maintenant, il y a une deuxième partie. Où on vous demande, par exemple, de créer et de pouvoir importer deux tableaux. Voilà, les deux tableaux sont là. Maintenant, regardez. Si je viens pour importer, bon, je vais créer, bon, je vais l'importer ici. Supposons si je veux importer le deuxième tableau que j'ai nommé tableau complexe qui est là. Et vous allez voir que il aura des problèmes pour détecter. Vous voyez, il aura des problèmes pour détecter les champs. Maintenant, pour pallier à ce problème-là, vous double-cliquez sur le tableau complexe. Donc, je l'ai nommé un tableau complexe tout simplement. Vous allez sélectionner l'ensemble du tableau. Puis vous allez nommer ça, par exemple, client. Parce que c'est la table client. Je valide. Ensuite, le deuxième, je l'ai nommé fournisseur. Je le renomme ici. Fournisseur. Voilà, je le valide. Maintenant, à présent, je peux enregistrer et fermer. Je reviens sur Access pour importer un document Excel. J'ouvre ça. Puis au niveau du tableau complexe, je fais importation. À présent, on a deux. Soit afficher les feuilles de données ou bien celui-là. Maintenant, si vous remarquez bien, maintenant, on a deux tableaux. Il l'a carrément détecté. Maintenant, pour le client, je fais suivant. Maintenant, l'entête, c'est le nom et le prénom. Voilà. Là, les informations s'en vont. Et il va insérer une colonne pour les clés primaires de chaque ligne. Voilà, client. Terminé. Fermé. Maintenant, il y a un client qui est là. Voilà. Ensuite, pour importer les fournisseurs, je vais revenir sur le même tableau. Ok. Et cette fois-ci, c'est les fournisseurs que je vais sélectionner. Suivant, n'est-ce pas? Ensuite, au niveau de date, on va préciser que c'est date et heure. Il l'a bien même détecté. C'est bien. Juste pour vous montrer comment les deux champs peuvent travailler sans problème. Là, je fais suivant.
Voilà, fournisseur terminé. Voilà, vous allez voir que la table fournisseur est là avec les informations du fournisseur directement puisées d'un fichier Excel. Voilà, maintenant pour terminer cette formation là, on va voir comment faire pour sécuriser une base de données. Par exemple, pour pouvoir demander un mot de passe pour ouvrir une base de données. Maintenant, pour ça, on va cliquer sur ouvrir, parcourir. Puis, par exemple, si on veut mettre une base de données et commander un mot de passe au niveau de commerce, on va cliquer sur ouvrir qui est là, ouvrir en mode exclusif. Puis, on va venir au niveau du fichier, n'est-ce pas? Information, puis chiffrer avec un mot de passe. On donne un mot de passe, par exemple, quelque chose de simple. R2OT, quelque chose de simple, vite fait. Je fais valider. OK. Maintenant, si je ferme le fichier, je me rends au niveau de l'emplacement du fichier. J'ai dit commerce, il est là, je pense. Voilà, c'est celui-là. Si je l'ouvre, non, c'est pas celui-là. Commerce, c'est celui-là. Voilà. Voilà, automatiquement, il me demande un mot de passe. Là, c'est hyper important parce que ça permettra de si quelqu'un s'amuse à ouvrir vos fichiers, on doit vérifier l'identité de la personne pour vérifier est-ce que c'est vraiment vous. Là, automatiquement, vous avez accès à vos données. Maintenant, si le gars n'a pas le mot de passe, vous allez voir qu'il ne sera pas validé. Regardez, si je mets quelque chose comme ça, voilà, mot de passe incorrect, OK. Tant que vous ne mettez pas le mot de passe, vous ne pouvez pas accéder à ces informations. Voilà, maintenant si vous êtes intéressé par des applications en utilisant Access, n'hésitez pas à me le faire savoir au niveau de l'espace commentaire. N'oubliez pas d'abonner, de partager la vidéo et d'aimer aussi. Merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.